Début janvier, la sphère politique a connu de grands changements. Après la démission d'Elisabeth Borne, c'est Gabriel Attal qui a été nommé Premier ministre. L'homme politique de 34 ans a donc effectué certaines modifications au sein du gouvernement. Il a par exemple choisi Rachida Dati pour la culture ou encore Prisca Zevenot pour être ministre délégué. Des choix qui ne font pas l'unanimité. Ce jeudi 25 janvier, invité dans Quotidien face à Yann Barthès, Boris Vallaud a d'ailleurs poussé un coup de gueule contre le gouvernement. Lors de son passage dans l'émission, le mari de Najat Vallaud Belkacem a vivement critiqué la politique migratoire du gouvernement, « si est-il un grand bazar », déclare-t-il. Avant de raconter l'histoire d'un homme qui travaille en situation irrégulière et qui peine à obtenir un rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour, il perd son droit travail. Bienvenue en absurdité, ce qu'oublie de dire Monsieur Darmanin Siesti que la rédaction de son texte est plus dure que le droit existant, explique celui qui a lutté aux côtés de son épouse contre la réforme des retraites. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal? François Hollande, ce qu'il pense de Gabriel Attal et de son gouvernement. Le nouveau gouvernement ne fait définitivement pas l'unanimité auprès de la population, mais aussi auprès du monde politique. Si Édouard Philippe n'a pas caché sa déception, François Hollande, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a affirmé lors de son passage dans l'émission C'est à vous puis dans les colonnes de l'Express que Gabriel Attal est pour lui trop jeune et qu'il manque d'expérience pour ce poste. L'expérience, c'est d'avoir traversé le pays, de long en large, d'avoir partagé la vie de ses compatriotes, d'avoir traversé des épreuves, d'avoir été confronté à toutes les détresses humaines, d'avoir dû prendre des décisions cruciales. Un Premier ministre et tout un gouvernement qui va donc devoir faire ses preuves. Crédit photo, capture d'écran TMC.